Waouh, effet spéciaux nul. En plus maintenant ça pue le déo. C'est génial, j'adore cette odeur. Voilà, je viens de gazer ma chambre. C'est super, on est heureux. Salut tout le monde, c'est Evan et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo dans laquelle je vais regarder vos petits montages fond vert. En effet, il y a de cela 6 jours, je vous ai posté une vidéo vous annonçant que j'allais lancer mon propre concours fond vert. Vous avez été un certain nombre à participer et dans cette vidéo-ci, je vais regarder vos meilleurs montages. Alors, je ne vais pas pouvoir faire passer tout le monde, inutile de le préciser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder toutes vos petites créations et au montage, je laisserai seulement celles qui m'ont procuré le plus de réactions. Comme ça, tout le monde est content. Allez, trêve de bavardage, on enfile notre petit casque et on se lance dans le bain. Fond vert, Tubeo aime se masturber par ARPG. On va voir ce que ça donne, mais je vous cache pas que le titre m'inspire que du bon. J'adore la masturbation. Ah, il y a un petit effet de flou. Excuse-moi, mais est-ce que tu pourrais te vider les couilles ailleurs pour ce bon, comment te dire qu'on est un peu dans ma chambre et là, ça me perturbe énormément pour travailler, tu vois. Bah voilà, qu'est-ce que je disais, t'as foutu, t'as dégueulassé le sol partout, et maintenant c'est qui va devoir nettoyer, hein? Oh, c'est crade. Tu sais, hein? Pourquoi dans une bouteille? Putain, il y en avait pas mal quand même, hein? T'as vu tout ce qui est tombé? Bon, là ça suffit, sortez. C'est dégueulasse. Bah, pas mal du tout. On commence très fort. C'est la toute première personne à m'avoir envoyé sa vidéo. Il s'est fait chier à faire un petit court-métrage en se filmant, etc. Franchement, je m'attendais pas à ça pour la première. Gros GG à toi, RPG. On passe au prochain montage parce que j'aime beaucoup trop faire ça. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse une autre vidéo où je réagis à vos fonds verts, n'hésitez pas à en faire. C'est open bar. Si j'en ai assez, je pourrais potentiellement retourner une vidéo. Voilà, maintenant que c'est dit, on continue. Celle-ci m'a été envoyée par mail. Ce n'est pas un lien YouTube. Bon, on va être un petit peu indulgent. Normalement, je crois bien vous avoir précisé qu'il fallait uniquement me l'envoyer via YouTube. Mais bon, le French Studio, pour pas que tu aies fait ça pour rien, on va quand même jeter un petit coup d'œil à ce que t'as fait. J'ai vraiment fait ça dans mon fond vert. Voilà, te raconter. Alors, comment font les 7 nains? C'est bien fait. Sauf sans se mouiller la bite. Ils s'enculent. Excuse-moi, c'est beaucoup trop drôle. Oh, Split. Ah, il m'a intégré dans pas mal de films, hein. C'est ultra glauque. Non. Alhamdoulilah. Pas mal. Alors, je ne sais pas ce que c'est ta chaîne YouTube, vu que tu m'as envoyé par mail, mais ton montage fond vert était extrêmement bien réalisé. J'ai beaucoup aimé. Tu es la deuxième personne à me l'avoir envoyé, mais je ne m'attendais pas à avoir des montages aussi qualitatifs dès le début. Putain, mais c'est génial. Vous êtes géniaux. Le pouvoir d'Hugonétique par La Salle à Film. Je connais cette personne. Alors, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte. Un jour, un abonné m'a envoyé son tout premier moyen-métrage, si mes souvenirs sont bons, et là, il m'a incrusté justement dans cette fiction qu'il a créée lui-même. Fiction que j'ai déjà vue. Mais on va voir comment il a réussi à m'intégrer dedans, ça pourrait être plutôt pas mal et original. Salut. Ah, c'est la même musique que j'avais utilisée pour celui de Squeezie. Un film d'apparence normale. Hugo est un peu spécial. Et bah, il t'encule. Vous pensez que vous pouvez le faire sur moi? Ça sent le cul, il y a des meufs, c'est vraiment dégueulasse. Juste, non! Le mec, il a fait un court-métrage, il a invité des potes à elle, et il dit, ouais, ça sent le cul, vraiment, il y a des meufs, elles sont dégueulasses. Ce n'est pas sympathique! Les filles, surtout, ne parlez pas à cet homme. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux. Abdullah. Ok, on se calme, je pense qu'il y a un peu d'animosité. C'est un co... Waouh, no! Je suis désolé, tu ne peux pas dire ça. Non, franchement, bravo. Surtout bravo pour le film qui m'avait pas mal plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de La Salle à Film. Voilà, si vous voulez regarder son court-métrage en entier, sans moi dedans, parce que moi, je gâche un petit peu le tout. Mais voilà, allez voir, franchement, c'est sympa. Il faut encourager les petits talents montants sur le web. Vidéo suivante. Et si Tubeo était ça? Je suppose que c'est ça, le clown. Tu sais, avec le mec qui prend forme, des peurs des enfants, etc. Un truc un petit peu spirituellement étrange. Donc la vidéo est proposée par Héros Dark, le déglingo. On va voir ça. Ouais, ça on connaît tous. Le bateau qui tombe dans les égouts. Bah tiens, si j'allais regarder. Ça c'était évident. C'était bien trop évident. Ça part ou pas? Je sais, Jelly Unreal, ça c'est pas du tout moi. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne de Jelly Unreal. Petit bisou. J'ai vu quelque chose. C'était. Tubeo. Ah, tellement l'incrustation sale avec la voix Google Trad là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas.
c'est bien moi. L'accusation elle était dégueu, mais c'était drôle. Vraiment, on se fait chier ici, Non, c'est... Non, cette destination ne me convient pas. Putain. J'en étais sûr. Je vous l'ai pas dit à l'oral, mais quand là il y a la scène du clown qui sort de l'eau et qui fait un espèce de mouvement comme ça, en voyant la vidéo, je me suis dit, s'il a pensé à mettre ça, ce serait vachement drôle. Et il l'a fait. Bravo, héros d'arc le déglingo. I'm a nigga, tu B.O. par Monsieur Double RR. Ah, lui aussi s'est mis sur fond vert en vrai. Non, il a quand même pas fait une parodie de Walking Dead. Tu B.O. Si. Tu B.O. Non, c'est totalement une parodie de Walking Dead avec Negan. Il avait peut-être participé à la première... Oui, voilà, je me rappelle bien de lui. Il avait fait un premier montage. Vu tes dernières vidéos, bah... Je t'ai traqué. Oh, c'est glauque. Je t'ai recherché. J'ai recherché où tu habitais. Ce mec est totalement un psychopathe. Est-ce que tu arrives à faire ça avec ta jambe? Ouf. Quoi? C'est beaucoup trop con. Ah, le coup, il était bien donné. J'ai beaucoup aimé. Merci, double RR, pour ton petit montage. Tu t'es fait chier à te filmer sur fond vert et à l'éclairer, je suppose, parce que c'est quand même pas ultra simple à incruster un fond vert bien comme tu l'as fait. Mais voilà, que dire de plus? Bravo, tu BO somme chez moi par Moreau. Ah oui, directement, c'est vraiment... Ah, court-métrage. J'aime. Tu BO, t'es mon youtubeur préféré. Enchanté, oh. Oui, c'est bien comme ça que je m'appelle. On peut faire une photo, s'il te plaît? S'il te plaît, une photo, juste une photo. Ah non, désolé, ça va pas être possible. Hein. Mais non, t'es sérieux, s'il te plaît. Il me fait passer pour un gros connard. Putain, je le regale tellement. Voilà. Oui, mais non, c'est triste. Excuse-moi, il faut jamais s'énerver. Ok, cool ta vie. Mais mec, faut que tu saches un truc. Tout quoi? Non. Je culpabilisais un petit peu parce que je lui manquais de respect, mais là, ok, cool ta vie, va te faire foutre. Super, super, on part sur un manque de respect. Attends, deux minutes. Oh. C'est gratuit, c'est tellement gratuit. Bien, Moreau. J'adore voir les courts-métrages, je pense que c'est ce que je préfère le plus, d'ailleurs c'est ce que je fais sur ma chaîne. Même si j'aime beaucoup aussi les autres vidéos, je dis pas hein, mais les courts-métrages quand même c'est un petit peu mon dada. Voilà, trailer Tu B.O. le film par Sachel. Qu'est-ce que tu nous proposes là, Sachel? Ce qu'il faut se dire c'est que je ne mérite pas ça en fait. J'aime beaucoup cette musique. Vous commencez à me saouler, hein. Vraiment c'est chiant, ça n'est pas drôle, ça me fait peur. Oh c'est épique. Tu veux le combat, c'est ça? Attends, tu me fais pas peur. Espèce de freluquet. T'as cru que de ta mère? Regardez ce qu'il y a sur ma tête. Oh non, les nazis. Tout le temps au visage. C'est pas drôle. Le non-respect. Bien joué. Bien vu. Merci Sachel pour ton petit montage. C'était extrêmement bien géré. L'étalonnage, les animations, etc. Je sais pas ce que tu fais sur ta chaîne de base, mais je sais pas pourquoi je flaire que tu fais des petits montages comme ça, des introductions, je sais pas ce que tu fais. Franchement, bravo. Le prochain montage est de Donise et ça s'appelle Tu B.O. dans Avenger 3. Regardez ce qu'il y a sur ma tête. C'est avec Nigeria. Oh, c'est con. Ah, ça va être un enchaînement de sketch. J'aime pas mal. Est-ce que tu arrives à faire ça avec ta jambe? Parce que c'est notre problème. C'est une femme comme une autre. Un trou, c'est un trou. Non, il a mis un enfant. Non, ça par contre, les blagues salaces sur les enfants. Un trou, c'est un trou avec un gosse. Juste non. S'il s'empare. Ah oui, c'est vrai qu'à la base, c'est un Avenger. Ah, j'avais totalement oublié avec tout ce qui s'est passé au début, là. Alors, je vais pas vous mentir, la partie sur Avenger 3 était bien moins drôle pour moi que la première partie. Donc voilà, je valide totalement la première minute de la vidéo, à peu près. Et voilà, Donise, merci pour ton montage. On passe à la vidéo suivante. Tubeo cherche un stage chez McFly et Carlito. Tiens, lui, je l'attendais après le petit montage pour Squeezie de la part de Cinegaming. Ah, et ça a été fait par Olivia Glvd. Bon, je ne sais pas ce que c'est ton nom de famille de base. Là, je lis Glvd, désolé, c'est imprononçable, mais voilà. On lance la vidéo, on va pas déblatérer sur le sujet. Ça, pour le coup, c'est... C'est clair. Tu sais ce qui est sûr aussi? Ta mère sur ma bite. Maman. Viens te battre avec moi, je suis quelqu'un d'assez costaud. T'as pas un peu surréagi? Tout le temps au visage. C'est pas drôle. Mais faut arrêter. La première fois, déjà, c'était violent. Placement de produit. Salut, on t'écoute. Moi, faire des placements de produits? Ce thermomètre d'une marque quelconque est très appréciable lorsque... Placement de produit le plus nul du monde. Oh, pas mal, j'ai bien aimé. Merci Olivia Glvd. J'arrive toujours pas à prononcer, hein, c'est dingue. Le bar par New Zigzap. Ça sent le court-métrage. Oui, je vois cette petite image. Il y a une mise en scène. Ah, les vieilles... Oh, les trucs comme ça, tellement je faisais ça au début de la chaîne. Ça me rappelle mes débuts, c'est drôle. Alors, Jean-Louis, qu'est-ce que je te sers?
Bah écoute là mon jamais. Ils sont à l'aise. Attends, juste ils sont vachement à l'aise. Enfin, en tout cas lui, pour l'instant lui je le vois vachement à l'aise devant la caméra. Il a l'air pas mal jeune, mais il est à l'aise. Et ses potes aussi, j'ai l'impression. Il y a un scraté qui veut boire notre beer. Il a bu toute notre beer. Et nous reste quoi? Il nous reste que de la scone. Ah, ils sont en train de se rebeller parce qu'apparemment j'ai bu toute la bière. Oh, Skull! Tellement la parodie Skull, un peu bidon. Enfin, je suis totalement pas objectif sur les courts-métrages, mais je sais à quel point c'est difficile d'en faire. Et quand je vois justement des gens qui en font, et bah ça me fait un petit haut au cœur. Voilà, c'est j'aime beaucoup. Voilà, GG. Voilà, juste, je peux que vous dire bravo. Vous avez fait le truc à plusieurs, vous vous êtes donné. Je ne parle pas d'une sextape, bien entendu, vous avez compris. Mais voilà, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Bravo, bravo. Attention, j'interromps la vidéo. Ça fait déjà plus de 10 minutes qu'elle a commencé. Et j'ai seulement fait le montage de la moitié de celle-ci. C'est-à-dire qu'il reste au minimum encore 10 minutes, ce qui en rendrait une de 20, ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, je préfère la couper maintenant et faire une deuxième partie pour ne pas avoir à faire une vidéo trop longue ou à limiter les passages des abonnés pour rester dans un créneau respectable. Donc voilà, on se retrouve mercredi prochain pour la seconde partie de vos montages fonds verts. Allez, salut tout le monde.